Fais attention! Ah! La source du signal se situe juste derrière. S'il y a bien une chose que je sais des maisons hantées, c'est que les apparences sont souvent trompeuses. Le sol est verglacé. C'est extrêmement dangereux. Heureusement que je suis extrêmement... extrême. J'avais raison, Robin. La source du signal se trouve bel et bien dans cette maison. Qu'est-ce qu'on cherche, Batman? La fréquence que je détecte augmente à un rythme alarmant. J'ai bien peur que quelqu'un n'ait des intentions criminelles. La seule chose qui me fait peur à moi, c'est cette maison. Et ce rat? Procédons avec prudence. Qui sait ce qui nous attend? C'est sûrement pour ça qu'on l'appelle la Villa des Frissons. Oui, cet endroit est clairement hanté. Oh, Robin, les fantômes n'existent pas. Même les événements les plus étranges s'expliquent rationnellement. Je ne crois pas que Gentleman Ghost serait d'accord. Tu n'as pas tort. Reste vigilant. Oh, la Villa des Frissons, c'est ça? J'ai des frissons, ouais, c'est clair. Il fait hyper froid. Tu sais que les variations soudaines de température et les poches d'air froid sont souvent dues aux esprits? La villa a été construite à la fin du 19e siècle. Il y a fort à parier qu'elle n'ait pas de système de chauffage moderne. Oui, c'est ça. Ou alors elle est hantée. Vois si tu trouves la lumière. Bien sûr. Impeccable. Le signal provient de l'étage. Cherche quelque chose d'anormal. Mais enfin, tout est anormal dans cette baraque. Tu sais qu'une lumière qui vacille signale la présence d'un fantôme? J'admets que cette maison est un peu... macabre. Je n'aurais pas envie de passer une nuit ici. Mais en ce qui concerne les fantômes, c'est notre imagination qui nous joue des tours. Fais attention! Ah, merci, Robin. C'était moins une. Tu es toujours certain qu'il n'y a pas de fantôme? Regarde, ce n'est qu'une armure vide. Aucun fantôme ici. Le crime, en revanche, est toujours présent. Continuons. Ça doit être la bibliothèque. Le signal devient plus intense. Qu'est-ce qu'il y a comme poussière? C'est quoi cette odeur? Je dirais que ça sent le brûlé. Les odeurs étranges sont aussi le signe de... De fantômes? Je vais te rassurer. Quand on mène une enquête, il est important d'être attentif à ce qui nous entoure. Le courant d'air dans l'entrée venait d'une fenêtre ouverte. Le clignotement lumineux est normal sur une vieille installation électrique par temps d'orage. Quant à l'odeur de brûlé, elle vient bien évidemment de la cheminée. La source du signal se situe juste derrière. S'il y a bien une chose que je sais des maisons hantées, c'est que les apparences sont souvent trompeuses. Magnifique, Robin. Je fais simplement attention à ce qui m'entoure. Allez! Maudit soit cette maison et son réseau électrique vétuste! Tu ne génères pas assez de puissance! Si je n'ai pas assez d'énergie, je ne pourrai pas congeler Gotham City! Freeze, évidemment. Le signal provient de sa machine cryogénique. Tout s'explique maintenant. Il faut neutraliser Freeze avant qu'il n'accumule assez d'énergie. Laisse-moi faire. Hé, sois prudent. Le sol est verglacé. C'est extrêmement dangereux. Heureusement que je suis extrêmement... extrême. C'est la dernière fois que je commande des pièces au magasin discount de Gotham City. Éloigne-toi de la machine, Freeze. L'heure est venue de t'envoyer au frais. Oh, c'est ma réplique. C'est pas juste! Pourquoi tu ne peux pas me laisser travailler tranquille? Je continuerai jusqu'à ce que les citoyens de Gotham City comprennent ce que c'est que de vivre au gelé! Je regrette. Je dois t'en empêcher. Joue au héros tant que tu voudras, ça ne servira à rien, Batman! Batman, tu peux m'aider? Je t'ai attiré exactement où je le voulais! Oh non! Comment on va faire?
Ne t'inquiète pas, je vais nous libérer en un rien de temps. Bon, où en étais-je? Essayons avec de nouveaux calculs. Si je réduis le gain de la fréquence ici, tout en siphonnant 10% d'énergie du moteur cryogénique auxiliaire... Oui, oui, ça fonctionne enfin! J'ai un thermolaser conçu spécialement pour ce cas de figure. Non! La machine est en surchauffe! Si je ne l'arrête pas, mon projet sera réduit à néant! Tiens, Freeze, c'est cadeau. Une prison de glace rien que pour toi. Je ne comprends pas pourquoi ça a raté. Il n'y avait pas d'erreur de calcul. Il faut croire que si, au contraire. Tu as le droit de retourner au frais à Arkham. C'est curieux quand même. D'après ce que j'ai vu, les calculs de Freeze étaient effectivement corrects. Oh, j'imagine qu'on a eu un coup de chance.